Parmi la flopée de données que vous avez ramenées, j'ai isolé les rapports créés par Teshalja. Beaucoup ont un lien avec les expériences menées dans le laboratoire et ne vous seront pas d'une grande utilité. Attention, tout n'est pas à jeter, évidemment. Mais disons que je préfère remettre leur décryptage à plus tard. Durant mes recherches, je suis tombée sur des enregistrements audio de Teshalja. Je ne les ai pas encore examinées, alors j'ignore ce dont elle peut parler. Est-ce que tu veux les écouter? Oui, s'il te plaît. Entendu. Il y en a plusieurs, alors je vais les jouer à la suite.
Je... Ici Teshaljar. Au vu de la situation actuelle, j'ai pensé qu'il serait bon de tenir un journal. Pour mettre un peu d'ordre dans mes idées, Ja. Ce serait elle, ma maman? Lorsque j'officiais dans la Légion de l'Aurore en tant que guérisseuse, nous avions affronté et vaincu un terrible Tural Vidral en Yasulani. Une fois notre mission accomplie, j'ai obtenu l'autorisation de rester sur place. Nous n'avions que peu d'occasion de nous rendre dans cette région éloignée, et je voulais étudier les herbes médicinales des alentours, Ja. Enfin, c'est le prétexte que j'ai donné à mes supérieurs. En vérité, je voulais m'éloigner de Tuliolal, et surtout du rite de succession qui allait commencer, Ja. Le capitaine Zoralja ne m'a pas choisi pour l'assister dans ses épreuves. J'imagine que l'idée ne lui a pas traversé l'esprit. Je n'étais qu'une légionnaire parmi tant d'autres à son service. Même si j'en avais bien conscience, je n'étais pas tout à fait prête à accepter ce rejet. Voilà pourquoi j'ai choisi de retarder mon retour à la capitale. Cependant, j'étais loin de me douter que cette décision allait bouleverser mon destin, Ja. Tout à coup, un dôme de tonnerre a recouvert la région. Je me suis retrouvée piégée et perdue. Jusqu'à mes retrouvailles avec le capitaine. Je devrais parler du capitaine Zoralja. Je l'admirais tellement, Ja. Sa force sans égale. Et plus que tout, sa détermination et son assiduité à l'entraînement. J'ai passé énormément de temps à l'observer, de loin. Tant et si bien que j'ai fini par le comprendre mieux que quiconque. Son regard était toujours tourné vers l'horizon, Ja. Comme s'il essayait d'atteindre un lieu inaccessible. J'ai fini par accepter qu'il ne poserait jamais véritablement les yeux sur moi. Et pourtant... Nous allons entrer dans la prochaine phase des expériences menées ici, Ja. Et cette fois, j'ai obtenu de lui qu'il m'accorde une récompense. Je vais enfin recevoir ce que je désirais tant, comme promis. Aujourd'hui, je... Eh bien... C'était le jour que j'attendais depuis si longtemps. Nous devions prendre un nouveau départ. Le petit Aiklo. Je croyais qu'en lui montrant son enfant, il me regarderait enfin différemment. Pleine d'espoir, je suis allée à sa rencontre. Je voulais qu'il voie son fils, qu'il le prenne dans ses bras. Des écailles... bleues. C'est votre fils, Ja. Quoi? Moi? Devenu père? Je... Comment est-ce que... Comment... Un homme comme moi pourrait devenir père après avoir été totalement rejeté par le mien. Je l'ignore. Je n'en ai pas la moindre idée. Jamais, tu m'entends? N'amène plus jamais.
devant moi! Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Papa a été un peu surpris. Ce n'est rien. Il finira bien par comprendre. Et alors nous formerons une vraie famille, Jack. Je dois y aller. Kenny Loka m'appelle encore. Ses recherches ne progressent pas vraiment ces derniers temps. Et il est à cran, Jack. Je crains qu'il ne lui vienne l'idée de se venger sur toi, mon chéri. Ne t'en fais pas. Je vais te cacher. Personne ne saura que tu es là. C'était le dernier enregistrement. Il a probablement été abandonné. Un de nos camarades est tombé sur lui alors qu'il errait dans la dérive, il y a quelques années de cela. Nous savons qu'un accident a eu lieu dans le laboratoire peu de temps après. Cela explique sûrement pourquoi T'Challa n'est jamais revenu te chercher. Gilulja, écoute, je... Ne t'en fais pas pour moi, la Lamachi. Papa et maman... Ils étaient si seuls et si tristes tous les deux. Moi aussi. J'aurais bien aimé qu'on vive tous ensemble. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Je peux pas te dire si je suis plus heureux maintenant que je sais. Mais je regrette pas d'avoir appris qui était ma mère. Merci à tous pour votre aide.
Les gens ont pas l'air dans leur assiette. Tu trouves pas? Vous avez entendu la nouvelle? Une personne a été tuée au Préfulgurant. Comment? Est-ce que c'était un des exterminateurs? Oui. Un vétéran en plus. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas été abattu par une créature sauvage, mais par la foudre. Quel triste coup du sort. Il paraît qu'il avait épuisé son stock d'âme lorsque Zoralja a ordonné l'attaque de la ville par les sentinelles. Tu as raison. J'ai du mal à croire qu'une personne qui a tant œuvré pour la sécurité de notre cité puisse être fauchée par la mort aussi facilement. Mais, rassurez-moi, même si dorénavant on se souvient des personnes qui meurent, le système d'âme continue de fonctionner comme avant, pas vrai? Moi, je veux vivre vieux et terminer mon existence le sourire aux lèvres, en quittant notre monde avec l'aide des accompagnants. C'est bien normal, non? Ce n'est pas si simple. Puisque nous n'avions aucun souvenir de ceux qui nous ont quittés, comment être sûr qu'ils n'ont pas connu eux aussi une fin horrible? Ça pourrait arriver à n'importe qui, même à moi. Assez! Je ne veux pas d'une vie passée avec le spectre de la mort planant au-dessus de ma tête! C'est pire que ce que je craignais. Depuis les funérailles, la peur s'est ancrée encore plus profondément dans les esprits. Regardez! C'est Sa Majesté Sven! Mon petit Nico, ne t'en fais pas, tout ira bien maintenant, parce que je suis là à présent. C'est pas possible, je suis en train de rêver. Sven, pourtant elle avait bien disparu. Hé toi, Gossan, c'est bien ça? Le conseiller de la reine? Il se passe quoi ici? T'as intérêt à t'expliquer. Pardonnez-moi, Votre Majesté, mais je ne comprends pas bien votre requête. Notre reine effectue son habituelle promenade en ville. Rien qui ne sorte de l'ordinaire, à vrai dire. Joue pas à ça avec moi. Cette situation n'a rien d'ordinaire. Sven est morte. Enfin, c'est toi-même qui as prononcé un discours lors de ses funérailles. On s'est tous rendus à l'hôtel pour lui déposer des fleurs. Des funérailles? Pour Sa Majesté? En voilà une drôle de plaisanterie, Orarch de la Force. Nous avons bien organisé des funérailles, mais... en l'honneur de ceux qui ont péri lors de l'attaque sur la cité, voyons. Depuis que nous avons pris conscience de la mort, la peur et l'anxiété consument tous les habitants. Sa Majesté Sven est simplement venue rassurer ses sujets. Hein? Votre Majesté... pourriez-vous nous libérer du poids de la mémoire des disparus, tout comme autrefois? Je pense que nous pourrions envisager l'avenir sous un meilleur jour de cette manière.
Pour moi, comme pour mon fils. Je suis désolée, mais c'est impossible. Comme la mémoire vivante a été désactivée, nous ne pouvons pas relancer l'ancien système. Cependant, soyez rassurés. J'ai trouvé une solution de rechange. Nous allons tous devenir des éternels. J'ai mis au point un nouveau système. Il suffit de transposer la mémoire dans un corps constitué d'éther, et il est alors possible d'exister indéfiniment sans dépendre des réserves d'âme. Ainsi, vous n'aurez plus à craindre la mort. Vous pourrez vivre comme bon vous semble, aussi longtemps que vous le souhaitez. Toutefois, l'éther à ma disposition pour l'instant est très limité, et je ne peux pas en faire profiter tout le monde. Avez-vous tous bien reçu un régulateur noir lors des funérailles? Il nous en reste encore en réserve, mais il n'y en a que 5000 au total. Lorsque le grand jour arrivera, seuls ceux qui portent un régulateur noir pourront rejoindre les rangs des éternels et être libérés de la mort. Pour toujours. Quoi? Seulement 5000 d'entre nous? Oh mais quel ramassis de conneries! La vraie Sven n'aurait jamais imposé un tel choix à ses précieux sujets. T'es qui pour de vrai? Je suis Sven, la souveraine de la raison. Pour l'instant, j'ai besoin de reprendre mes esprits. Puis, on décidera de la suite ensemble.